Je viens ce matin remercier le Dieu de Papa Condé Paul Dominique. Amen. Alors, je dis d'abord merci à Dieu de m'avoir amené dans ce lieu parce que je suis au bon endroit. Amen. Alors, mon témoignage, c'est avant que le prophète n'arrive, le responsable m'avait reçu avec mon fils. Il m'a dit, je vois ton enfant au bloc, on a opéré ton fils et il a le plâtre au niveau du pied gauche et le bras gauche. Ah, j'ai dit, Seigneur, je ne crains rien parce que je sais que je suis au bon endroit. Et il avait prié pour mon fils, il a dit, Dieu va faire. J'ai dit, Amen. C'est un vendredi, je récupère toujours mon fils. Et on vient direct à l'église. Quand je récupère l'enfant, au niveau de... Juste après la péri, il y a un carrefour. Nous sommes en train de venir à l'église. Il y a un véhicule personnel qui vient du bas. Il y a un taxi qui vient de l'autre côté. Je ne sais pas comment le taxi s'est retrouvé du côté. Parce que quand je marche avec mon fils, je dis « marche devant ». Il est marché après moi. Je dis « non ». C'est toi qui dois marcher après. C'est moi qui dois marcher après toi. Et du coup, le véhicule sort de l'autre côté. Il est carrément du côté de mon fils. Et Dieu merci, l'autre véhicule qui était personnel, bah, il avait freiné subitement. Et du coup, j'avais beaucoup pris peur. Et j'ai dit merci à Dieu. Parce que directement, j'ai vu, j'ai repensé à la prophétie qu'on m'avait donnée à l'église par rapport à mon fils et je viens dire merci à Dieu parce que il a épargné grâce à la prière de notre responsable, il a épargné mon fils. Amen, amen. Et j'ai beaucoup de témoignages mais je vais juste être bref sur deux témoignages. Et quand le prophète était arrivé, je suis allée, on devait nous recevoir, le protocole, je suis arrivée, j'avais tellement mal à la poitrine. J'avais une douleur vraiment, je prenais des médicaments, j'avais parlé de ça à mes soeurs, au protocole, je ne me sentais pas vraiment bien. J'ai dit, ah là, je ne me sens pas bien. Nous sommes arrivés et quand le prophète nous avait salués, j'ai ressenti quelque chose, une puissance en moi. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis allée m'asseoir à l'extérieur. Quand nous sommes retournés, on avait pris un repas en soirée, on a mangé chez le prophète. Quand nous avions fini de manger, j'ai dit à Georgina, mais je ne me sens pas bien, je me sens tellement mal. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai commencé avec l'écoulement. Et après l'écoulement, peut-être pendant 2 jours, je me sentais très bien. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus de mal, je ne me sens plus mal. Et je viens rendre grâce à Dieu ce matin parce que le Dieu de Papa Condé est en train de beaucoup faire dans ma vie. Je suis un témoignage de l'Iloba. Amen, amen. Et je viens lui dire merci ce matin.